Alain Delon côte à côte, mais que font-ils? Un remake du film La Piscine? Une répétition pour une montée des marches? Non, de la politique. L'acteur a enregistré mercredi un message de soutien à la dirigeante de Force Vie. Un message qui sera diffusé demain lors d'un meeting pour les européennes. Un acte d'amitié, explique l'acteur, qui partage avec la fervente opposante au mariage gay quelques convictions. Delon avait créé la polémique en jugeant l'homosexualité contre nature. Pour Boutin, c'est une abomination. Mais que font Alain et Christine? On se le demande. Hier soir, Manuel Valls et Martine Aubry ont fait meeting commun à Lille pour les européennes. Après les discours, on a chanté le chiffon rouge de Michel Fugain, chant des grandes manifestations ouvrières des années 80. La maire de Lille la connaît apparemment sur le bout des doigts. Christophe Cambadélis s'est lancé, geste à l'appui, avant de se raviser. Manuel Valls, un peu coincé, n'a pas chanté le chiffon rouge, trop rouge peut-être. Contre le sexisme, c'était l'objectif de la journée de la jupe organisée aujourd'hui à Nantes. On a vu des lycéens court vêtus et, aux surprises, Brigitte Bargeon. Vous êtes quand même venue aujourd'hui pour les européennes? Absolument. Dans un café à 100 mètres d'un lycée où... C'est parce que je reprends un train dans une... Non, alors ça je savais pas. Quelqu'un est venu nous voir en nous disant que vous étiez là, bien quelqu'un de votre équipe. Oui, parce que quand on a su, on nous a dit qu'il y avait plein de caméras là, on leur a dit bah, qu'ils viennent, pendant comme ça on va ouvrir enfin le débat sur les européennes. Un hasard donc, l'occasion pour l'ex-égérie de la Manif pour tous de parler de ce que soulève la jupe. Autant l'année dernière s'est passé, j'allais dire, comme papa dans maman, comme une lettre à la poste, votre jupe. Hier matin, en me réveillant, j'ai fait un cauchemar. Le Front National était à 30% parce qu'il est contre l'Europe, et j'entendais le président de la République, François Hollande, dire « Je ne veux plus d'Europe, je suis contre l'Europe, il faut dire non à l'Europe ». Je me suis dit, mais Jean-Louis, rassure-toi, comme il est contre, on va monter dans les sondages, nous qui sommes favorables à l'Europe, et il y a de grandes chances que je sois élu.